à SNL Caen, à vivre en direct sur France Bleu Lorraine. Pedretti qui peut transmettre la main sur le côté droit, Isserdia. Isserdia qui a pris le meilleur sur Yaya. Le centre en retrait de Dia. Dia, oui, à l'ouverture du score. Non, attention, le ballon qui n'a pas franchi la ligne, sauvé. Et c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score nancéenne de Christophe Mandane. Le troisième but en trois jours du joueur nancéen. Et c'est la goal line technologie, la technologie sur la ligne de but qui a permis de valider ce but. Tony Chaperon qui a eu le petit signal dans sa montre qui lui a dit oui, il y a but, on va vérifier les images, mais le ballon a bien franchi la ligne alors qu'il a été, on pensait qu'il avait été sauvé par un défenseur canet. Le centre, l'ouverture pour Dia est superbe. Dia qui vient trouver au deuxième poteau Mandane qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Il y a un sauvetage de dernière minute, de dernière minute du canet, mais le ballon est bien rentré et un peu à zéro pour l'AS Nancy Lorraine. Allez, ça va être tiré par Benoît Pedretti qui s'élance. C'est parti au deuxième poteau. Oh, l'arrêt de Rémi Vercoute, le ballon qui revient sur Aloudir à la frappe. Et le deuxième but. Le deuxième but nancéen après 11 minutes de jeu. Nancy et qui prend ses distances avec Caen. Le deuxième but d'Aloudir, déjà buteur face au Paris Saint-Germain. Le ballon qui revient. Le coup franc de Benoît Pedretti. La parade de Rémi Vercoutre. Le ballon revient sur Aloudir et le coup de pied droit de Diarra qui permet à Nancy de mener 2-0 après 11 minutes de jeu. Quel début de match, quelle entame de partie. Attention à ne pas prendre de but dans ces derniers instants. Attention, et c'est terminé. C'est terminé. La victoire 2-0 de l'AS Nancy Lorraine. La première victoire de la saison à domicile en championnat pour les Nancéens grâce à une entame de match canon des Nancéens. Vivez la Ligue 1 et les matchs de l'ASNL en direct sur France Bleu Lorraine.